Jérémy! Ah, heureusement qu'il est là! Hein. Aujourd'hui, c'est moi le guide. Pour gérer le plan. Alors? Bah, ça va être toi le guide tous les jours, parce que ça m'intéresse pas du tout. Oui, mais tu sais, moi. J'aimerais bien faire du tire-fesse, j'adore. Ça me manque. Ça m'étonne pas que t'aimes ça. De quoi? Du tire-fesse. Ah, bah oui, ça c'est sûr! Bah, ça c'est sûr, hein! Hey! Oh my god, y'a des Teletubbies! Oh, mais ils sont déments! Tu fais quoi? Ces lunettes, c'est de la merde, je vois rien, mais en fait, regarde. Putain, mais t'es un putain de bolos. Bah écoute, hein. Genre... Mec, on est à Fréjus, je comprends pas. Quoi? On est déjà dans le sud de la France? Je te jure, on a Fréjus. Et nous sommes au point culminant avec le logo, l'emblème de Serre Chevalier l'Aigle. Hihi. Trop cool. Tu passes une bonne journée? Une bonne journée? A énormément surpris de monde. Pourquoi? Bah les gens s'y attendaient pas, c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé. Ah oui. Non mais franchement c'est bien qu'on soit resté amis en vrai, tu vois. Bah en fait moi franchement je m'étais grave attaché à toi. Après c'est... tu m'as dit que tu voulais rien de sérieux, que tu préférais t'amuser et tout, donc ça... Putain mais on va pas s'arrêter tous les 15 secondes pour vérifier où on est. Non mais tu saoules. Alors là on est exactement... Encore? Putain mais y'en a marre, faut s'arrêter toutes les 10 minutes parce qu'il a la diarrhée, c'est chiant. Putain, mais je suis mort, votre pote, elle sait pas se tenir. Et lui non plus. C'est quoi cette manière de pisser, là? Regardez-moi cette vue pour manger. Est-ce que c'est pas formé? On est bien de ouf, non? Hein? On est bien? Ouais. T'as l'air d'apprécier. Bah, en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que depuis que... Ouais, mais mec, attends, je déteste quand les gens parlent comme ça devant moi et postillonnent de mon plat. Mais non, mais je postillonne pas non plus à 20 mètres, hein. Mais tranquille. Mais abuse pas! Mais j'aime pas! J'ai la phobie vraiment. Je comprends pas, on... Enfin, d'où tu me crains? On a vécu bien plus que ça, enfin. Allez! Santé! Santé au chocolat chaud! C'est trop bien d'être ici avec toi, Jérémy! T'es bête, Damien? Non, mais j'aime beaucoup trop! J'adore! Je comprends pas, le chocolat il a un goût d'eau! Bah, c'est normal, en même temps, tu t'as pas remué! Mais je suis vénère, j'en ai rien à foutre, je goûte! Et vous savez qu'on est hyper loin parce qu'on est parti de là-bas. Vous voyez où il y a mon bâton? Et on a fait tout ça, tout ça, tout ça. Il fait genre, mais il est au bout de sa vie. Tu fais genre, mais t'en peux. T'en as pas marre de te plaindre? Je me plains pas, je suis hyper content d'être ouais, là. Ouais, bah oui, bien sûr. Arrête de m'inventer une vie, je vais te. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai hyper chaud, attends, je vais faire un malaise vagal. Et non pas vaginal. C'est canon, hein, ce décor quand même. Hein. J'adore. Regarde. J'adore. On monte à 2008. Mais là, mais casse-toi! Il y a moyen, tu me laisses skier. Mais pourquoi tu me colles? C'est toi, tu me suis, tu casses tes couilles. Alors là, c'est toute mon enfance, la piste noire Luc Alphand. Mais vraiment, t'es prêt ou pas? Mais il est connu, votre pote. Mais comment vous m'avez reconnu avec la combi? Je comprends pas, les gens le prennent en photo. En fait, on fait. Oh là là, mais regardez-le. Merci! T'es grave connu en fait. Encore? Mais c'est pas possible, ce gars est trop connu. C'est quoi, arrête, toi? Non, je prête pas mon labello. Non, mais vas-y, s'il te plaît. Non, mais c'est hyper personnel. J'ai vraiment les lèvres qui ont cramé sa race. Il m'en prend un peu. Je prends juste sur le côté, comme ça, avec le doigt. Ah! Voilà. On est dans un téléphérique collectif. Surimi! Le Surimi? Surimi! T'as honte? Un peu. Tu dégages de la chaleur, il y a de la buée sur mon écran. Tu me donnes chaud, Jérémy. On a encore Surimi. Surimi. C'est parti, votre folie Surimi pour des photos, des dédicaces. Excusez-le, il est un peu... Le Surimi est là, et oui, c'est un personnage Jérémy Star en exclusivité dans le téléphérique. Le Surimi aliment... Ah, mais on peut jamais être tranquille, j'ai soif. Je sais pas quoi dire de ce que je suis en train d'observer. C'est rien, c'est des spatules. Hein. Spoiler alert, je ne suis pas des glaçons. Ça va? Eh ben ma connasse, t'as bien changé, hein. J'ai pas tout vu, fais voir.
Ah oh, putain, mais il y en a combien, frère? C'est un cahier de brouillon. Tu vois, j'ai du vécu maintenant. J'ai deux salles, deux ambiances. Du coup, bah, moi, je me protège, je me cache, hein, parce que c'est vraiment pas la même, quoi. Et ce soir, on se fait une raclette, mec. Ouais, bah, écoute. Oh, le bordel! Comme si je ne faisais déjà pas assez remarquer dans la station, voilà que ma tante Théo Lavabo arrive dans mon chalet. Je sens que ce surimi, tu vas avoir envie hein, de le manger à l'apéritif, non? En plus, j'ai deux lignes place, du coup, pas de débordement possible. Ça va, t'as fait bon voyage? Ah, le surimi a compris ce qui arrivait là, il a verrouillé sa porte de chambre. Tu as peut-être peur de quelque chose. Je vais me doucher, monsieur Jérémy. Tu as peut-être peur. J'ai très très peur. Du comportement. Alors lui, il a apporté une vraie quincaillerie. On va hein. faire de la musique. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ça, qu'est-ce que c'est, ton avis? Qu'est-ce que c'est? Un harmonica. Non, mais c'est une blague. Mais tu sais... Non, mais attends, tu restes deux jours? Mais c'est quoi, ce cirque? Mais oh, mais... Tu restes deux jours! Tu fais renifler par des chiennes! Elles sont trop mignonnes. Tu m'étonnes! Elles doivent savoir qu'est-ce que c'est que. C'est leur nouvelle collection! Et du coup, ben. Je suis en pyjama, tu vas me dire! Elle a cru qu'il travaillait. Attends, montre-nous ton masque là et tes tenues de ski parce que. Ça, c'est pour dormir. Ouais, bon. C'est ça. C'est quoi? C'est une salopette de. Non, mais c'est vraiment le. Comment dire, le repas le plus. Improbable. Ouais, t'en penses quoi, Surimi? J'ai juste 20. Non, mais le combo, là, le... Ça, c'est, drôle, ça, c'est vraiment ça, le... Pas, mais... Ce soir, on mange healthy, t'es au lavabo, goûte les plats de ma mère. Ben oui. T'es bien reçu, ma connasse, hein? Laisse tranquille, mon beau-père, tu le mets mal à l'aise, il est rose. Mais regardez les deux, mais ils sont, mais... Tous les deux, vous êtes chienne et chatte, hein? Ah, mais vous êtes inséparables! Inséparables. Oh, c'est vrai? Non, mais c'est trop marrant cette table, franchement. Je sais pas comment j'ai réussi à créer ça dans un chalet. Théo Lavabo, le surimi, ma mère, mon beau-père et moi. Enfin, c'est. Que j'ai acheté. Non, mais tu peux pas aller aux sources de chaud dans string, c'est de la nudité. Non, mais de toute façon, je te dis, le string, il fait pas, il garde pas le machin, il est tout plat. Et si t'es ton profil, tu vois la crème qui dépasse. Ah, il baille un peu. Mais c'est vrai que vous vous connaissez d'Halloween tous les deux. Mais oui, c'était avec Guard. T'as beaucoup discuté avec Guard. Moi, j'étais. Donc vous vous êtes vu Halloween, oui, c'est vrai. Oui, tu te souviens plus, toi? Allez, santé. Oui. Oui. Hop là, surimi. Bon, alors apparemment, Théo Lavabo vient à quelques cadeaux surprises, n'est-ce pas, pour ma mère et mon beau-père. J'adore me faire limer. Eh, des fausses ongles de connasse! Ouais, ça, ouh! Mais l'installation, mais je crée! Tu aimes te faire limer. Non. Oh là là, mais lui installe vraiment des ongles, mais c'est pas vrai! Mais comment il va faire? Il va crever les yeux aux chiennes! Ouais, c'est... Il va pouvoir nous faire des papouilles à tous! Mais c'est quoi ce bordel? Mais regarde, il a des sacrés gros pouces! Comment tu vas faire? Ouais, comment tu vas pisser? Comment je vais pisser? Ah bah, tu risques de te percer le gland! Bah, une circoncision au passage. Oh là là. Alors détrompe-toi, il y a des gens qui mettent ça. Il y a des meufs qui mettent ça. Il y a des meufs qui mettent ça, hein, des filles. Mon père, t'as une tête à t'appeler, tu sais, Paola. T'as une tête à t'appeler, Paola, on dirait que t'as fait l'île de la tentation. Ah ouais. Il a fait. Ah ça y est, voyez, il les aime, ses ongles. Ça fait comme les trucs que j'adore là. Tu ils se font des massages crâniens maintenant. C'est pas mal, ça fait un peu fort. J'ai l'impression que tu fuis la scène, t'as pas envie qu'on te mette d'ongles. Tu vois, moi je suis plutôt un mec du coupe-ongle en fait. Du coupe-ongle? Ouais, je préfère avoir les ongles bien alignés. Tu vas. Ouh là là, très grande dame, très araignée de jet set. Oh là 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 là. Mais il est content de sa. Ah! Il est content de sa soirée, hein. Hein? Tu vois que tu t'y acclimates. Ah, mais bon. Je te trouve. Tu sais que je te trouve très coquette. T'as vu, hein? Non, mais j'aurais jamais pensé vivre ça, moi. Hein. C'est très simple, tu fais. Vernini, Vernana. Vernini, Vernana. Ah ah, et ben elle a l'air bien con là avec ses ongles et sa pomme. Oh, non, mais j'en peux plus. Théo, t'es en train de traumatiser toute ma famille. Moi, oh, j'ai traumatisé, ils aiment bien ça. Allez, regarde. Non, mais j'en peux plus. Alors, les chiennes, comment vont-elles réagir?
Regarde, regarde, elle se demande. Oh, alors ça, c'est vraiment la touche qui manquait. Ça, c'est joli, le petit ça, diamant. Ouais. Ah, il se barre un peu. Ouais. Oh là 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 là. Je les excite. Maintenant, c'est un cours de ukulélé. Non, mais maman, j'aurais tout vu. Après, tu poses ton deuxième doigt sur une autre note. Ça te fait un autre accord. Après, tu le poses là. Et le plus dur, c'est celui-là. Mais bon, tu peux juste le faire. Et après, t'improvises. Tu fais genre. Nous sommes assis. C'est convivial cette soirée quand même, hein, regardez. C'est ça. Ouais. Le ukulélé, c'est vrai. Peut-être plus ça. Moi, j'avais fait quoi comme. Celui-là, là. J'en peux non, plus. Ici, attends. Là. Vas-y. Sur la troisième corde. Ouais. La masterclass de Théo Lavabo. Voilà. Toi aussi, joue. Attends, mais tu nous excites les chiens. Alors, là nous avons David et Théo qui font le. Écoute, non, moi je suis là. Lui, j'ai. Bon, ben les deux sont inséparables, hein, regarde. Inséparables, les deux. Parce que moi, ma mère. Ça se montre une photo d'enfance. Quand j'ai regardé les vieilles photos d'école, c'était un peu trash, je me disais genre, avec lui il est mort, avec lui.